Dans cette équipe. Ouais, pas juste que ce soit clair avant qu'on continue notre aventure. Mince, j'ai oublié ton nom. Andématos, tu demandes la permission avant de parler. D'accord. Merde. Marcus. Marcus, tu évites d'intervenir comme ça et surtout de t'acharner sur les pauvres paysans qui passent et qui vont pêcher les carpes dans une rivière de truites, ok? Sauf votre respect, je vous rappelle que c'est vous qui m'avez délégué le pouvoir pour aller interroger cet homme. Pour l'instant, oui, la seule chose qu'on a... interrogé, pas harcelé. Oui, alors, peut-être que j'ai outrepassé, mais je vous rappelle que notre vie est en danger et que peut-être il avait des informations à nous donner. Peut-être. Mais Mento, sauf votre respect, mais on constitue une cible extrêmement facile pour des sauvages du coin. Enfin, des... On va devoir, à présent, se faufiler dans la forêt. Ah, mais, et du coup, il n'y avait rien dans la forêt rivière, non, dans la forêt, il n'y avait rien. Bah, on va être dans la forêt, mais en long, avec la rivière en vue. Parce que si on marche tout le long, ils ont le temps d'envoyer des gens prévenir toutes les populations qu'on arrive. Ah oui, voilà. C'est ça, déjà le pêcheur, ça va être... C'est déjà pour chelou, ça que je voulais pas non plus qu'ils partent, quoi. Parce que si les espions sont dans son village... Il partait vers le camp et pas vers sa maison, quoi. Mais il est parti... on sait pas. Non, là, il est reparti derrière, il est reparti Il est pas parti vers la rivière, en plus. Non, il est reparti, il n'est pas allé pêcher, il est allé prévenir les autres, autant il y a des traites dans son village, et il est allé les prévenir en toute lumière, et nous, on lui donne notre bénédiction. Voilà. Ah, c'est un peu toi qui as essayé de lui casser la gueule. Hein. Ah, mais moi, je n'ai pas essayé de lui casser la gueule, j'ai essayé de l'interroger. Bon, c'est tout. Bah, même toi, est-ce qu'on pourrait pas le suivre tranquillement, donc bon. Ah, mais j'en sais rien, moi, genre, je suis désolé, mais c'est Aldaric qui était un traître le premier, c'est pas moi. Bon, on va rester dans la forêt un peu planqué et toi, Aldaric, va essayer de voir au village un petit peu le grabuge qu'il peut y avoir éventuellement. Seul, ça va être compliqué. Il me faudrait un représentant de l'autorité romaine avec moi. J'imaginais plus en infiltration germaine, mais... Ah, d'accord. Oh, pas de souci. Ce qu'on y aille. Vous y allez du bien. Coup... qu'est-ce que vous faites du coup, alors? J'aime bien on va rester dans la forêt. Okay. On va compter les champignons. D'accord. Et on va attendre le rapport d'Aldaric sur la potentielle agitation qu'il peut y avoir au village avec le retour du pêcheur. Et ben, du coup, Aldaric, je considère que tu pars en solo vers le village. Fais-moi un test d'esprit, s'il te plaît. Genre, j'ai peur tout seul en forêt ? 17. 17. Ok. C'est un échec. C'est un échec, je sais. Voici le petit village. Ah putain, mais il y a plein de pêcheurs. C'est un village de pêcheurs. De quoi, de cartes du coup? En fait, ils savaient beaucoup mieux que moi ce qu'il y avait dans cette rivière, si c'est des pêcheurs. Oh, c'est lui. Merde. En fait, de l'autre côté de la rive, tu vois ce mec-là. Tu vois, hop. Il est avec un enfant. Ok. Il y a une vieille dame. Toi, t'es de l'autre côté de la par ici. Tac. Ok. Je peux pas te. Vas-y, voilà, place-moi. Je te place. Et il y a aussi une dame. Waouh. Attends. Voilà. L'engin. Oh la vache. Oh le Legios qui a genre pas touché à quelque chose depuis sa fameuse usine, non, ah oui. Est-ce que j'ai des membres de ma famille dans ce village? Fais-moi tu sais quoi, on va tirer ça en connaissance pour voir si tu connais des gens dans ce village. Fais-moi un test de consanguinité. Très nombreuses. 14, c'est un échec. C'est un échec. Heureusement que c'est pas un échec critique, sinon ça aurait été ta cousine avec qui il est. Non, tu connais personne dans ce bled. Bah tant mieux, ça veut dire que du coup c'est ton cousin par alliance, donc en soi ça va, les rapports sont plutôt cool. En fait, dommage finalement.
Comment je suis habillé en tant qu'auxiliaire? J'imagine que j'ai un uniforme ou pas forcément? Tu... Ou c'est comme je veux? T'as un peu comme toi tu le sens en fait en vrai. Okay. Normalement un auxiliaire il est quasiment le même équipement qu'un romain, mais avec quelques différences quoi, pas énorme. Ok. Ouais. Bon, je choisis ou j'accepte l'équipement romain. En vrai, normalement, t'es censé effectivement avoir un équipement. Ouais, un peu standardisé. Mais après, du coup, physiquement, je fais moins romain que les autres. Enfin, tu fais beaucoup moins romain que les autres. Hein, t'as des trucs un peu plus germaniques sur sur toi quand même. T'as une amulette. J'arrive. Germain, tout ça. Je bombe un peu le torse et avec mon équipement romain. Ouais. Et je rentre dans le village. Et tu rentres dans le village, ok. Là, au moment où t'arrives, tu vois le monsieur en question de tout à l'heure qui regarde c'est les membres de sa famille, pardon, j'arrive plus à parler, et il leur dit vite, rentre à la maison, vite, vite. Et tu vois sur ses entrefaites, il y a la vieille dame qui récupère le gamin et ensemble ils ont l'air de partir. Et l'approche de tu vois la jeune femme qui regarde son mari dans les yeux et qui s'enfuit aussi. Attendez, je viens en paix. Et vous ne nous ferez plus de mal. On est parti du mauvais pied, toi et moi. Je tenais à m'excuser de la part de toute la Légion pour le trouble qu'on vous a causé. Tu vois, il y a un autre mec qui arrive qui fait « il y a un problème ?» Non, aucun problème. C'est juste que nous sommes à la recherche de traîtres. De traîtres ? De traîtres à Rome, oui. Ouais, je vois qu'un seul traître ici. Et c'est ni mon frère, ni moi. Ah oui, c'est qui ? Et je le regarde droit dans les yeux, sur un air de défi. Tu sais très bien qui c'est, mon frère. Dis-moi, mon frère. Faut savoir, c'est son frère ou un traître Bizarre, les Germains, quand même. Ouais. On est tous frères. On est tous frères. C'est de l'humour germain. T'es pas le bienvenu ici, pars. Vous savez que vous êtes à 500 mètres d'un camp romain. Il y a toute une légion qui est dans le coin. On est là pour vous aider, pour vous sauver. Ah oui, nous sauver de qui? De vous? Non, mais de Armanus et son l'alliance qu'il a faite. Fais-moi un test d'esprit pour voir si t'arrives à le convaincre, lui ou son frère. Vous êtes heureux ici en payant vos taxes à Rome et... Non. Non. 11. 11. T'as combien en esprit? 15. Et il y a le premier, je sais plus comment je l'avais appelé, il me semble que je l'avais appelé Furald. Et Furald qui dit à son frère, écoute, c'est vrai qu'il a raison, on veut pas d'ennui nous ici. Pardon monsieur, on veut pas d'ennui, on sait très bien que la grandeur de Rome est ce qu'elle est, tu vois, il se met à genoux, il fait pardonnez-nous, nous sommes de simples pêcheurs. C'est bon, j'ai pas besoin de ça. Alors, je l'aide à se relever. Oh la vache. Ok, donc il se... Oh l'équipe de Loyal Bon là, oh là là. Donc tu l'aides à se relever, c'est fantastique. Et l'autre il fait la gueule, hein. Très clairement. Est-ce qu'il on dirait un Jésus blond, ton personnage. Oui, il est là en mode... avec les cheveux longs dans le vent. Ah, mais c'est Jésus croisé avec Thor, tu vois. C'est le fils de Thor. Un Jésus germanique, hein. Un Jésus germanique, c'est ça. Un Jésus germain, quoi. Qu'est-ce qui vous tracasse autant? Dites-moi tout. Peut-être que nous serons plus à l'aise à en discuter avec le chef du village. Si vous voulez bien nous suivre. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je te suivrai. J'irai où tu iras. Donc tu vois, pendant ce temps-là, dans la forêt. Dans la forêt, vous voulez faire quelque chose en attendant ou pas? Pendant ce temps-là, dans la forêt. Enfin, moi, je veux quand même regarder ce que j'ai fait en Dométos, parce que bon, j'avoue, peut-être eu la main leste. Et peut-être la main un peu lourde. Ah, mais j'avoue, je reconnais, écoute. Je vais pas m'excuser. Voilà. Je trouve que le geste était justifié. Par contre, je reconnais avoir eu la main lourde. Fais-lui un bisou. Non, mais je vais lui administrer quand même les premiers soins et voir si je l'ai pas trop amoché. Quand même,
J'en connais que un petit excès de zèle comme ça, j'avoue que m'être fait reprimander bon, deux fois dans la même journée, ça fait quand même un petit peu tendu sur les nerfs, quoi. Bon, on n'est quand même pas venu là pour en chier, pourtant on en chie, quoi, donc voilà. Enfin, voilà. Si, on est clairement venu là pour en chier, quand même. Bon, on est là, on est venu pour en chier. Mais on est venu pour en chier et avoir de la glare. Pour l'instant, on a que la première partie, et ça, c'est un peu... Ouais, mais est-ce que tu essaies de le soigner un petit peu ou pas? Ouais, j'essaie déjà de voir ce que je peux faire. Ok. Est-ce que je peux le soigner? Fais-moi un petit test de... Voilà. Parce que j'ai pas envie de lui péter deux molaires en plus, si tu veux. Fais-moi un petit, fais-moi un petit test de connaissance pour voir. Voilà, parce que dans la famille, on n'est pas non plus des chirurgiens. J'ai pas de boutique de vin, mais bon, mon père il bosse aussi dans le commerce. Alors, si tu veux, voilà, c'est pas 12. Je crois que ça passe, hein. Oui, parce que je suis Jean-Michel normal, donc ça passe. C'est quoi tes compétences? Genre, t'es tout J'ai tout à 12 ou 13. Voilà. Ok. Voilà, ok, bon, donc t'arrives Jean-Michel à peu près, quoi. T'arrives à le soigner correctement. Et du coup, tu récupères tes PV en hématos. Très bien. Mais tout du long, je lui parle pas et je le regarde mal, quand même. C'est normal. Non, mais ça fait plaisir que vous soyez réconciliés. Je leur tape sur l'épaule comme ça. Non, mais créons un petit peu de famille. On forme une famille. Venez, on fait un câlin. Pendant ce temps-là, le Jésus Germain est au centre du village et tu vois un homme sortir. Donc, il a des cheveux longs, blancs, des espèces de tresses. Ouais. Il te regarde et il te fait « Et toi, tu es l'envoyé des Romains ?» C'est moi, Aldaric, fils de Igmar. Enchanté, du clan de la Corneille. Aldaric. Je suis Snowfrid, fils d'Alcuin, du clan du Sanglier. Que veux-tu ? Je suis venu ici pour obtenir des informations. Il y a quelques jours, il y a eu une grande bataille, pas très loin. Vous êtes au courant ? Oui, elle a eu lieu près des marais. Oui. On dit qu'une centaine de Romains se sont retrouvés coincés là-bas par des guerriers surpuissants. Tout à fait. Et ces Romains vénèrent une sorte de dieu aigle qu'ils montent sur une pique au milieu du combat. Oui, est-ce l'aigle de Rome, bien sûr. Tout à fait. Vous connaissez. Oui. En même temps, vous payez vos impôts à Rome. Oui, on connaît un peu Rome, vous savez. On connaît. Nous ne sommes pas aussi enchaînés que toi, mais nous le sommes quand même un peu. Je lui lance un regard noir, mais je relève pas. Bref, cet aigle a été perdu. Et sans cet aigle, les pauvres légionnaires ont le moral au fond du trou. C'est comme si Thor leur avait enlevé toute volonté de se battre. C'est comme si Wogan leur avait tout enlevé. Je comprends. Exactement. Je comprends. Mais ce n'est pas la saison de Wogan en ce moment. Ce sera bientôt celle de Hul. Car les jours diminuent de plus en plus. Et Hul va revenir. Hul va revenir ? Oui. Comment le sais-tu ? Car tous les ans, il revient. Tu le saurais si tu étais plus parmi nous. Tu vois, il se rapproche pour te faire une accolade. Bah, j'accepte. On est très tactile en Germanie. On vient se balader nu aussi. Donc, vous faites il est nu, le chef. Hein. Non, regarde, il a un super costume blanc. C'est vrai. Allez, viens donc dans ma caravane. Donc, n'as-tu point d'infos pour... Viens chez moi. Si. Ce n'est pas le clan du sanglier qui a attaqué. C'est sûrement le clan du loup qui est plus loin dans les collines. On dit que leur chef a pris les vêtements de l'un des vôtres. Peut-être est-il l'un des vôtres. Ah, peux-tu me décrire leur chef? Un homme. A-t-il les cheveux blonds comme les blés? Plutôt blanc comme la neige. Un fils de Freya. Sans doute. Mais nous sommes tous les fils de Freya. Nous tous. Les si peuples du Nord. Oui. je tente des trucs. Bien, je pense avoir répondu à tes questions, l'ami. Peux-tu quand même nous indiquer une direction à suivre ? Bien sûr, tu peux continuer à longer la rivière, mais prends garde au marécage. Et souviens-toi, Hul reviendra bientôt. Hul reviendra bientôt. Hul reviendra bientôt.
La paix des dieux soit avec toi. Et la paix des dieux soit avec toi. Puisses-tu te libérer de ton joug un jour. Je ne te le promets pas, mais peut-être que nous nous reverrons. Et cette fois, je te dirai quel aura été mon choix. Est-ce que pendant tout ce dialogue, etc., je peux regarder aux alentours du village, voir s'il y a du mouvement? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les entrées, sorties, etc. Je te laisse me faire un petit jet. De précision. De précision, oui, tout à fait. Oh, très grande. Eh bien, ça rate, parce que je suis une merde en précision. T'as que 12, t'as que 10 en précision? Tu vois pas spécialement grand chose, tu vois juste la scène en fait qui se présentait à toi. Donc, j'ai 14 ans d'expérience, si je peux me permettre, je peux tenter le coup. Vas-y si tu veux. Je vais lui en coller une. Je pourrais être vos yeux. Il a demandé avant de parler, il a dit si je puis me permettre. C'est bon, c'est vrai. Ok, pas mal. Je vais le dire avant de parler à chaque fois maintenant. Oh non, c'est horrible. C'est comme ça qu'on commence. Hein. D'abord, on prend le cornet de son père et ensuite, on est un citoyen romain. C'est comme ça que ça marche. C'est dans l'ordre. Voilà. Alors du coup, je sais pas si tu le vois. Ah oui, c'est bon. J'ai fait un 5. T'as fait un 5. J'ai 4 en précision. Ok. Tu sens la présence d'animaux pas très très loin de la forêt. Genre au moins des sangliers, non? Ouais, mais moi aussi, loups. Vous avez vu. Eh bien, tu peux me permettre, Mento, Marcus et le reste du groupe, il y a quelques sangliers ou animaux, en tout cas forestiers, qui se trimballent dans les coins, qui se trémoussent dans la forêt. Je ne saurais dire lesquels exactement, mais en tout cas, à part ça, je ne vois pas grand-chose. Tu vois Caius? Grâce à ça, il a retenu mon nom. Ouais, on progresse dans la citoyenneté romaine. Est-ce que je peux essayer de ramasser pendant qu'ils font tout ça des baies non comestibles? Bien sûr, fais-moi un test de connaissance. Que ce soit un truc qui file la chiasse, voire pire, hein, mais. Ça dépendra de ton jet. Un truc qu'il faut pas bouffer. 6 pour. T'es à. 12. Ok, bah c'est la moitié. T'as récupéré 5 baies qui filent la chiasse. Et 5 wow. Qui donnent envie de gerber. Et tu sais que si t'en donnes 3 à quelqu'un, il peut potentiellement mourir. Nice. C'est le nom des... Genre, c'est les baies qui filent à chiasse. C'est le nom des baies à chiasse. Ouais. Les fameuses. Les fameuses baies à chiasse. Ok, qu'est-ce que vous faites Marcus, tu voulais faire quelque chose? Ouais. Moi, je m'interroge sur le comportement du coup de Pullius, parce que je trouve ça bizarre de cueillir des baies alors que bon bah notre vie en dépend, tu vois, donc je demande, je dis mais pourquoi tu fais ça? Sait-on jamais des fois que on doive rentrer discrètement dans un village de Germains, disons que si ils ont préparé à manger, ça peut être un moyen efficace de détourner l'attention d'un garde. Ça, c'est comme dans la tabernae à côté de chez mon daron. Quand tu vois le nombre de mecs bourrés dans la rue et ce que les prostituées et les autres leur font alors qu'ils sont en train de gerber, ça donne de l'imagination. Ouais, je vois ça. Effectivement, t'es plutôt un citadin. Non, j'avais pas pensé à ça. Je trouve que c'est pas très glorieux, mais c'est probablement efficace. C'est une bonne idée. Ça évite de tuer les gens tout de suite. Non, mais c'est pas glorieux ça. Ça dépend. S'il y a un aigle à la sortie. Ok, tu marques un point. Ah, il a raison. Est-ce que je peux aller voir du coup ce que les bruits. Bien sûr, tu veux aller dans la forêt? Si le reste est d'accord avec ce déplacement. Dans ce cas. 14 servants. Ok. Bah, vous allez dans la forêt. Et vous arrivez au niveau de la forêt, vous voyez une grande tour avec un petit muret. C'est une tour romaine. C'est une tour romaine, tout à fait. Au pied de cette tour, vous voyez un cerf. Non. Le cerf vous regarde. C'est le roi de la forêt. C'est le roi de la forêt, non? C'est ça chez vous
C'est Terminus, le dieu de la forêt, effectivement, mais... Qu'est-ce que vous faites? Ah, rien, bah, c'est sacré, moi je fais une petite prière. Okay. Fais-moi un petit test d'esprit pour ta prière. Ma petite prière, d'accord. Okay. Okay. Ah, oui. Voilà. Sinon tu cliques, tu cliques, tu fermes et tu réouvres. Ok, bah, je vais faire ça. Donc t'as fait 10. T'as fait 10, on a vu ça. Bah, t'as réussi ta petite prière, tu penses que Cerninos est content. Cernunnos, pardon. Et le cerf te regarde, et t'as l'impression qu'il hoche la tête et il s'en va dans la forêt. La chance. Il y a toujours cette musique un peu étrange autour de vous. Qu'est-ce que vous faites du coup? Ouais, vas-y. Moi, je regarde justement autour de moi s'il n'y a pas quelqu'un qui fout de la foutre en fait. Il brise le quatrième mur. Incroyable. Et là, tu vois quelqu'un avec un micro. Tu te réveilles dans ton lit et c'est toi. Discord. Non, du coup, alors Aldaric, qu'est-ce que tu fais de plus? Aldaric. Ah, pardon, c'est moi. C'est toi, Aldaric, on peut t'appeler le Germain. Alors, sinon... avant de partir, je demande s'ils ont une spécialité locale pour ramener à mes compagnons, genre, tu sais, une bière qui brasse ici, ou des choses comme ça. Et mon argument, c'est que ça fera plaisir avec la bière, Légion. C'est possible. Et on a une grande culture aussi, tu vois, des cadeaux, et en échange, je leur donnerai de l'argent. Ok, bah tu vois, ils apportent une amphore romaine. Et tu vois, ils te disent dedans. C'est vachement d'ici. Nous y avons mis le sang de la terre. Comme cela, pour le sang de la terre avec le contenant des tiens. De ton nouveau peuple. Enfin, c'est scellé ou pas? Bah, il y a un bouchon. Ouais, je sens quand même. Tu sens que ça sent l'alcool. Ok. Ah. Je te remercie, Fulric. Fulric. Moi, c'est Snorfrid. Snorfrid, chef, pardon. Je suis Snorfrid. C'est celui qui ressemble à un apache qui s'appelle Fulric. Excuse-moi, Snorfrid. Ça s'appelle pas Furgal? Putain, si, c'était ça. C'est Furgal. Lui, leur propre nom. C'était... Non, Furald, pardon. Furald, excusez-moi, j'ai la liste des prénoms. Je lui donne... C'est villageois 6 qui s'appelle comment? Quelques cerfs terses, et je lui dis que le clan de la Corneille se souviendra de vous lors de la victoire de Rome. Un collabo, quoi. Et le clan de Sanglier se souviendra de toi lorsque... Lorsqu'il sera temps de s'en souvenir. Et je lui serre la main et on se serre la main assez fort en germain. Ouais, bah vous faites une grosse accolade et clac. Je croyais qu'il allait spoil la trahison et tout, mais dommage. Ok, bien, tu retournes vers les autres du coup? Ouais, je reprends le chemin. Ok. Quand tu retournes vers les autres, tu les vois qui sont en train de regarder une tour romaine bâtie. En même temps, vous la connaissez, c'est un poste avancé en fait qui entoure le village du clan du sanglier. Normalement, c'est sur la. Romains, là. Ben, oui, personne. Ah, et il est censé y avoir des gens ou c'était on l'avait abandonné? Depuis la défaite, vous savez pas trop, hein, les communications c'est un peu flou. Vous savez juste qu'il y a ça. Ok, bah je commence à grimper pour aller voir. Ok, tu grimpes 4 à 4 les marches de l'escalier, tu arrives au sommet. Et là, tu te rends compte qu'il y a un lit, c'est un peu en bordel. Il y a un glaive et un pilum qui est ici, mais t'as l'impression que quelqu'un a l'air d'être parti. Il y a pas très longtemps, il y a 3 mois quoi. Dans la précipitation. Ouais. Ok, est-ce que j'arrive à voir, en fouillant un petit peu, est-ce que j'arrive à trouver une lettre ou un message qui aurait été laissé là? Pas de message, rien. Rien du tout. D'autres traces, peut-être des traces de boue, d'empreintes Des traces d'empreintes de boue, oui, parce que c'est à côté de la rivière, donc ça te choque pas plus que ça. Ouais. Est-ce que au pied de la tour, il y aurait des traces de choses lourdes qui auraient été traînées ou des traces de sang? Fais-moi un test de précision pour voir. Je pense aux choses lourdes parce que potentiellement un cadavre c'est lourd. En attendant, moi j'arrive à quel niveau? 18. Toi t'arrives, il est en train de fouiller autour de la tour. 18. Tu vois rien. C'est tout boueux, mais en même temps, il y a vos propres traces, c'est un peu chiant.
Vous voyez Aldaric qui arrive. Moi j'aimerais bien parler à mon décurion, mais il est occupé, c'est ça? Ouais. Il est dans la tour. Mais du coup, je vais voir la personne en qui j'ai le plus confiance et en qui j'admire la capacité de vigilance dans cette région, c'est-à-dire Marcus. Et je te partage, Marcus, les infos comme quoi il y a quelqu'un qui est habillé en romain, qui est probablement un traître dans la région. Et qui mènerait, qui ce serait peut-être lui le suspect potentiel qui détiendrait l'aigle. Ouais, et on n'a pas plus de détails sur ce... Malheureusement, non. Son appartenance à un clan ? Ici, le clan du loup. Ah. Un membre du clan du loup. Donc évidemment, on avait le choix entre le sanglier et le loup, bah voilà. Mm-mm. On sait qu'un animal, on va botter. Je sais pas que ce soit vous le fric qui rôdait autour de mes sœurs une fois. Ah. Donc une rancune personnelle. Oui. Ouais. En tout cas, le clan du sanglier m'a offert cette boisson. Ah ouais. On est à quel moment de la journée ? Fais voir là. Je hume, ça sent bon. On est à quel moment de la journée ? Vous êtes. Bah maintenant que vous avez pas mal procrastiné depuis tout à l'heure, il est bientôt midi. Ah mais c'est l'heure de becter. Tu commences à sortir les rations. Ah, voilà. Ok, donc vous voyez du coup votre esclave qui est en train de sortir les rations de la bouffe. Serviteur, s'il vous plaît. Ouais. C'est vrai que tu es esclave, mais je suis serviteur là-bas. Le serviteur esclave, pardon. Qui est en train de sortir justement la bouffe, quoi, la boostify. En étant en haut de la tour, est-ce que j'arrive à voir plus précisément l'endroit d'où viennent les fumées? Oui, en fait, c'est assez évident depuis que vous y êtes, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont en train de faire chauffer des trucs dans le village, quoi. Ah. Ah oui. Bien. Oui, parce qu'ils ont pêché de la carpe. Ah oui. Donc, on est à ce niveau, ouais. Ah ouais, on est là, ouais. Donc... Ok. Vous êtes la légion la plus incompétente de la Terre. Ah ouais. Alors déjà, on n'est pas une légion, c'est un tubernum. Un tubernum, pardon, excusez-moi. Bon, bah, je redescends de la tour, hein, puisque il n'y a pas grand-chose à voir, apparemment. Je prends le glaive quand même et le pylône. Ok. Est-ce que je peux me permettre de regarder dans la rivière, voir si au fond de l'eau il n'y a pas des trucs qui. Des restes de je sais pas quoi. Bien sûr. Si tu veux essayer de faire un test de précision pour voir ce qu'il y a au fond de l'eau, tu peux. C'est un 13 sur 14. Ça passe. Ça passe du coup, tu vois au fond de l'eau que bah il y a des poissons. C'est quoi comme poisson? Probablement des carpes. Il y a des carpes, des truites. Il y a quand même beaucoup de truites parce que c'est la rivière de la truite, souvenez-vous quand même. Oui. Ah oui. C'est vrai. Ah, vache. Voilà, vous êtes première catégorie. Vous êtes dans un village. Hein. On n'a pas une canne à pêche. Il y a des cannes à pêche en bord de rivage, de l'autre côté, près du village. Tu peux aller en prendre si tu veux. Oh, attention. La coutume veut que l'on laisse quelque chose en échange. Bah on a des rations. Si on pêche plus de poissons, on a posé de rations. Ah bah attends. On peut pêcher le poisson et laisser un poisson. Ah. Alors, juste, on va vraiment s'arrêter pour faire de la pêche. Oui, non, mais vous pendant que vous cherchez... C'est une mission urgente, hein, quand même. En vrai, moi, je m'en fous, hein, j'aime bien ça, mais... À propos de ça, Mento, si vous avez un petit moment, j'aimerais vous parler seul à seul. Très bien. J'ai mis Marcus dans la confidence et en fait là je te répète exactement ce que j'ai appris au village. Et je te montre aussi la boisson qu'on a reçue. Très bien, bah, c'est pas moi qui vais me la trimballer cette boisson. Hein. Non, je pensais la donner à l'esclave, qu'en pensez-vous? Oui, bonne idée. On la boira quand on fêtera notre victoire. J'ai toujours un léger doute. Faudrait peut-être que quelqu'un la goûte. Mais sûrement pas un membre de notre cohorte. On peut demander aux Gaulois. Vous nous écoutez, Philus? Bravo. Non, au moins on peut demander aux Gaulois. Tiro. Au moins vous êtes discret. Bravo, c'était censé être une discussion privée. Hein. Ah. Tu parles fort, c'est pour ça. Non, c'est une très mauvaise idée de le faire goûter aux Gaulois, parce que le pauvre, c'est lui qui porte nos affaires. Oui, s'il meurt, on n'a plus rien, plus personne pour le goûter. Faudrait que ce soit le Tiro. Oui.
Philus, vous voulez goûter? D'accord. Si je le fais, ça me rapprochera d'être légionnaire, non? Si je survis. Ouais, ouais, pas de problème. Ouais, c'est vrai? Ouais, ouais, bien sûr, ouais. D'accord. Est-ce que nous, on va utiliser une petite lampée? Le bizutage. Je vais faire un test de quoi? Tu veux boire une lampée d'alcool, c'est ça? Bah, faut faire un test de constitution pour voir si t'arrives à réussir à survivre à... Bah, à survivre à ta survivre. Ah merde. Bon, l'avantage, c'est que s'ils tomberaient morts, on sait qu'ils sont les coupables. Hein. Ouais, c'est clair. Ça passe. Ok, félicitations, tu as réussi à boire correctement. Félicitations, tu es bourré. Voilà. Alors, c'est à quel goût, du coup, cette... C'est de la bière classique. Un peu de facture assez moyenne. Elle est quand même vachement forte, mais pas loin de l'IPA. C'est parce que tu bois jamais d'alcool, Philippe. Je résume, hein, fait à peu près une heure de jeu, vous avez fait de la pêche. Non, on n'a pas encore. Pas encore. Vous avez maltraité un pêcheur, bu de l'alcool. On a fait 500 mètres, surtout. Bon, Aldaric, tu sais sûrement où est le camp des loups. Oui, si on remet la... Il est temps d'y aller de la manière la plus discrète possible et rapide. Ok. Comme si nous avions Cerbère à nos trousses. Joli. Joli, Mandy, j'aime bien. On peut remettre le centurion, il s'appelle Cerbère. Ok, non. Cerberus. Alors, c'est le nom du légat. Cerberus. Bon. Vous quittez, j'imagine, enfin cet endroit. Ouais. Et je veux bien qu'on remette la carte. Finalement, à y réfléchir, je vais quand même laisser le glaive. Parce que j'en ai déjà un et tout le monde en a un, donc je vais laisser le glaive. Moi, j'en ai pas, si je peux me permettre. Bah, l'esclave en a pas, mais bon, ça reste un esclave. Bah, vas-y, tu peux porter le plume et le glaive. C'est un esclave gaulois, on est en territoire germain. Tu penses que s'il est tout seul, il est mort. Ouais. Non, et puis, si je puis me permettre, j'étais guerrier par le passé. Germanique. Alors, non, du coup, c'est mauvais. T'es guerrier dans le passé? Waouh. Bah, pourquoi engagé en service? Ah oui, c'est vrai que t'étais un escroc. Ben. Ok. Ouais, donc, est-ce que c'est une bonne idée? Je lui donne à porter le pilum et le. Pour rappel, voilà la carte. Donc, vous êtes ici, là. Ça, c'est le fort. Oui, le clan du loup. Bah, de ce qu'il t'a dit, en gros, c'est après les marées, quoi. Donc là, vous avez avancé de 5 cm sur la carte qui est en février. Il serait temps de démarrer, hein. Non, il a dit c'est dans les collines à l'est ou à l'ouest. Voilà. C'est là-bas, non? Ouais, il a dit faut pas s'attarder dans les marées, mais. Non, il a dit qu'il fallait pas passer par les marées. Non, il a dit qu'il fallait démarrer. Ah voilà. Oui. Ah oui, c'est ça. Donc vous passez par où, du coup? C'est quoi le meilleur spot de pêche? Ah merde, non, on n'a plus l'air. Est-ce qu'on passerait pas par la gauche? On reste sur la rive et on longe l'extérieur du marais. Ouais, je pense que c'est une meilleure idée. Parce qu'en plus, là, c'est un petit peu plus dégagé. Comme ça, là. J'ai l'impression. Et comme ça, on pourrait avoir. Peut-être depuis les collines, on pourrait avoir une vue sur les marais en plus. Ok. Ouais. Donc vous passez par là? Ouais. Ah, c'est à l'est, il a dit, le camp? Je sais pas, moi. Attends, c'est à l'est ou c'est à l'ouest? Parce que si on va à l'ouest pour aller à l'est. Moi j'ai compris que le camp était au-dessus des marais. Donc, ouais, genre plus en aval de la rivière, non? C'est ça? Moi j'ai compris ça. Fais-moi un test fais-moi un test de connaissance, s'il te plaît, Nico. Mais je crois vraiment qu'il l'a pas dit. Hein. On vient de l'aval, tu qu'il l'a pas dit. Venez de l'aval, ça ne peut pas être le Laval, puisque forcément vous allez vers l'amont. 14. Bon, ok. Ok. C'est bon, c'est ok la connaissance ou pas là? Ouais, 14. Ouais, ok, ouais. Super. Oui, tu non, c'est pas du tout ok, c'est pas du tout ok. Ah ouais, t'as dit sans connaissance. Oui. Mais si tu veux, je t'indique un point sur la map. Hein. Attends, après je t'ai filé. T'as des trucs pour connaître le chemin, normalement, Nico. Tu peux regarder si tu veux sur ta propre carte personnelle que je t'ai envoyée pour pouvoir les guider. Putain, mais j'ai ça. Mais oui, c'est bien ce que je pensais. Je t'ai filé une carte de la région. Ah, mais oui, mais je sais. Bah, ça fait plaisir de découvrir à 23h que ouais, c'est des atouts. Mais je pensais que c'était... Ok, ouais. Alors, ok, les gars, il y a deux choses à savoir dans cette région. Si on continue sur cette rive, un peu plus au nord, on va tomber sur des ruines d'un ancien village.
un ancien village et c'est tout. Mais oui, c'est tout. Mais ça peut être un spot de bandits. Un spot de pêche. Ah non, mais je pense que si j'étais un rebelle dans la région, ce serait l'endroit parfait pour se dissimuler à l'abri de tous. Et sinon, le village du clan du loup, il est un peu plus au nord, en suivant le bras oriental du fleuve. Bon, bah, traversons et longeons le marais par l'est. Ok. Oui, mais alors attention aux ruines, je pense qu'il faudra faire assez... Les ruines, t'as dit que c'était au nord. De notre position. Oui, bah oui, mais si on traverse et qu'on va à l'est... Moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille sur cette colline, et comme ça, on pourra avoir une vue un peu dégagée de ce qui se passe, et si on voit des feux... Ça a remis, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire on traverse la rivière et on passe à l'est du marais. Mais c'est une excellente idée, ça. Faisons ça. Faisons ça, allez. Donc, attendez, du coup, vous faites quoi, alors? Vous passez par là, c'est ça? Ouais. Non. Bah si, on passe pas comme ça on fait ça. Vous faites ça, vous longez. Ah oui, d'accord, oui. Ok, super. Mais attends, non, mais du coup, non, mais c'est ça, il y a bien un truc qui... Qui c'est qui a écrit, en fait, sur la carte? C'est moi, j'ai pas fait exprès. le tiro, ça va plus. Hein. Il a bu un coup. C'est l'alcool. Okay, il y a un petit souci si on fait ce chemin, c'est qu'on pourra pas vérifier si les rebelles, notamment du clan du loup, se sont réfugiés dans les ruines. Donc je pense qu'il faudrait quand même passer par cette colline et après on fait ça. Si ça vous va. Ah, tu veux dire prendre position surélevée. Mais c'est cette petite colline là. Ouais, cette petite. Ouais, je pense. Je sais pas. Ouais, non. Effectivement, on peut aller voir. Hein. Attends, t'as dit quoi, Nico? Tu penses que cette petite colline, c'est la ruine, c'est ça? Non, pas du tout. Ah. Depuis cette petite colline, on pourra peut-être avoir une vision sur cette zone. C'est une forêt, donc. Sur vrai, cette zone aussi. Donc là, tu vois, ça c'est pas mal, effectivement. Là. Et puis après, on pourra aller ici, sur cette colline. Ça, on pourra regarder par là. Et ensuite, de colline en colline, on dira. Et on saute de colline en colline, c'est ça? Voilà. Ah, écoutez, je suis le clan de la corneille, j'adore les hauteurs. Si l'attaque a été menée par les clans du loup, les rebelles, on s'en contrefou, quoi. Mais ce serait eux, sauf s'ils veulent cacher une armée. S'ils veulent cacher une armée, c'est pas dans un village, ce serait dans une zone un peu isolée. Caius, t'as dit quoi? On était dans la cohorte au moment de l'attaque, on est d'accord. Ouais. Est-ce que, effectivement, dans ces cas-là, on n'irait pas au niveau de la colline, au moins pour nous essayer de nous rappeler où on était dans le marais? Parce que peut-être ça nous donnera aussi une indication de où sont partis nos assaillants. Honnêtement, ça, vous en souvenez, hein, vous étiez dans le marais, vous étiez au milieu, c'était la merde, et puis vous avez réussi à vous en sortir par miracle parce que vous êtes barré, quoi. Mais sinon, comment ça on s'est barré? Il y avait des germains dans tous les sens, quoi. Non, bah justement, on était en train de se battre avec des germains, et malheureusement, la bataille a fini et on n'a pas pu. Oui, voilà, la bataille a fini, entre guillemets, quoi. Et d'un coup, ils ont disparu. Voilà, c'est tout. Mais nous, on voulait pas finir la bataille. Hein. Ouais, nous, on était prêts, on était chaud pour continuer toute la guerre. Bah, je vois ça, ouais, puisque vous êtes toujours au village. Et du coup, ils sont partis vers où Bah, de partout, quoi. C'est vraiment, vous les avez pas vus arriver, vous les avez pas vus repartir. Mais c'est pour ça qu'on était envoyé, en fait. C'est le groupe qui se raconte le plus dans toute la Légion. En fait, les gens sont juste... C'est pour ça qu'on est là. Tout prend sens. On est le roi de la tribu du Dana. Du coup, vous allez par où? Attendez. Je vais arrêter de dire vous. Je vais demander à votre chef de prendre une décision maintenant. Voilà. Ok. Vous savez, un chef, c'est pas pour rien. Je suis pour qu'on traverse la rivière et qu'on aille vers le clan du loup. Ok, vous traversez la rivière, vous allez voir le clan du loup. On reviendra ici pour enquêter sur les rebelles. Je vous laisse prendre vos personnages et vous pouvez les déplacer le long, comme ça, tac, 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 tac. Au fur et à mesure, vous finissez par entendre que la rivière est en train, petit à petit, de s'éloigner. Hop. Vous n'entendez plus, du coup, que cette magnifique petite forêt. Vous parcourez plusieurs... heures dans la forêt, vous voyez pas très très loin, il y a les marécages, vous avez souvenir un petit peu des différentes horreurs que vous avez pu vivre là-bas, de vos proches qui sont morts petit à petit. Et au bout d'un moment, vous finissez par à nouveau apercevoir comme une fumée de très très loin, qui a l'air de provenir de cet endroit, à peu près.
par là-bas. Donc vous, vous pouvez vous ramener ici à peu près si vous voulez au niveau de cette colline. Ah, ça m'a l'air pas mal. Ah, vas-y, mettez-vous ici là-bas. Ouais, ouais, on fait un saut dans le temps parce qu'il est 23h07. Ah, oui, c'est vrai que je suppose que si on peut aller au moins jusqu'à minuit, moi ça m'arrangerait que j'ai pas à trop rusher, mais du coup je vais rusher un petit peu quand même. Donc du coup vous arrivez d'ici, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes au milieu du coup de la forêt. Est-ce que ces fumées ressemblent à celles du village ça précédent? Ça ressemble un peu à celles du village précédent. Vous entendez des pics verts qui sont en train de faire pic. Eh bien, Aldaric, je pense que nous avons trouvé le clan du loup, non? Non, ce sont des pies verts. Non, mais les fumées. Ah, attends, oui. Des loups! Des loups! Mettez-vous à couvert. Non, chose. Est-ce que je peux regarder où est-ce qu'ils sont? Ouais, vas-y, lève un dé, s'il te plaît. Lève un dé. C'est un 11. T'as 11, ça passe. C'est la précision, 14. Tu sais très bien ce que c'est juste simplement des gros mustélidés qu'on appelle aussi des gloutons. Oh, stylé. Je suis en train de se Je sais s'ils sont dangereux ou pas, j'en ai déjà vu dans ma vie. Bah, tu sais que si tu t'approches trop, ils peuvent être dangereux, mais là, ils sont en train de se fighter à côté, donc ça va. Putain, mais c'est pas américain, les gloutons. Il y en a aussi en Europe. C'est carcajou en Amérique et c'est glouton en Europe. Ah, putain, d'accord. Waouh. Waouh, le boulot, ça sera moins bête. Hein. C'est vachement vorace, c'est saloperie en plus. Tout à fait. Bon, alors, du coup, je pense qu'on est tombé sur le clan du loup. On va tenter une approche. Bon, ouais, ça suffit, un peu de sérieux, là. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait pour le vin ou pas? Oui, il était très bon, le vin. C'est vrai. Surtout que c'était de la bière. La bière, on est au courant ou pas? Ah oui, oui. Bah, je sais pas, si... bon, en fait, on se trimballe une. Ah oui, une c'est les autres persos que vous trois sont au courant. Bah, en tout cas, vous avez vu en dématos transporter une amphore. C'est ça, c'est quand même assez visible. Je pense que vous vous mettez quand même au courant les uns les autres parce que vous êtes quand même une famille, quoi, finalement. Donc, Aldaric, tu es connu par le clan du loup ou pas du tout? Le clan du loup, il a rejoint. Putain, comment il s'appelle déjà? Arminius. Arminius. Voilà. Ah, c'est okay, ça. Mais du coup, et toi, ils te connaissent pas, toi? Non, ils me connaissent pas. Après, les personnes est-ce de mon clan, peut-être. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de mettre les baies qu'a ramassé Pulpius dans la boisson et que tu essayes de faire le germain qui rejoint la cause de d'Arminius et que tu arrives avec tout ça et de rendre malades les gens pour essayer de s'infiltrer un peu plus facilement. C'est pas mal, mais on pourrait encore aller au-delà. Je pourrais enlever mes vêtements romains. Je me mets torse nu, de toute façon, tout le monde se balade torse nu ici. J'emmène l'un d'entre vous en mode prisonnier. Encore moi, si je peux me permettre, je fais un par exemple, bon prisonnier. Marcus ou l'esclave, au hasard. Non, l'esclave, je pense pas que ce soit une bonne idée. Il faut homme de terrain. Oh, j'étais guerrier par le passé aussi, je peux me permettre. C'est vrai. Et j'ai maintenant un glaive. Et t'as fini esclave, donc t'étais peut-être pas le meilleur des guerriers. C'est peut-être vrai. J'avais oublié que vous étiez mon supérieur. Il apprend, moi, je trouve, quand même. Après avoir cassé la gueule, sans vouloir plaider sa cause, je trouve que déjà sur ces quelques heures, il a eu beaucoup de progrès. Il s'est amélioré. Hein. Bah, du coup, choisis un homme parmi les squads, Aldaric. Bah, Marcus. Allez, putain, évidemment que ça tombe sur moi. Évidemment, bien sûr. Très bien. Je resterai donc avec Andématos, Pupius et Décimus. Et nous chercherons, nous attendrons votre signal pour vous rejoindre.